Et on se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième journée de notre édition nantaise de Vape Expo. On se retrouve maintenant sur le stand de Blenfil. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu pour l'instant de cette édition nantaise? Elle est très bien, surtout parce que chaque fois on retrouve une grande famille entre l'exposant et les organisateurs. Ils sont superbes, comme toujours. Moi, j'ai fait tous les salons juste maintenant, donc je partage toujours. C'est bien, moi j'adore. Il y a un beau moment de convivialité. Alors, je suppose que pour cette édition, vous n'êtes pas venu les mains vides. Non. On a fait une très grande nouveauté pour le marché de la vape. Je pense que c'est un 2.0 du marché de la vape parce qu'on a inventé un bouchon où dedans il y a du sel de nicotine déshydraté. On a mis, tu ouvres pratiquement le bouchon où il y a le liquide dedans forcément. Ouais. Il y a le format 25 ml ou 50 ml. On prend un bouchon, plus neuf, on le visse, on enlève la sécurité qu'il y a dans le bouchon et on visse juste au fond. Voilà. Après, on revisse, le bouchon il s'est ouvert, on remet le bouchon et voilà, on mélange. Ça donne l'effet que tu peux monter juste à un 12%, l'équivalent d'un 12% de nicotine. Donc je trouve que c'est une très grande nouveauté pour le marché parce que ça donne vraiment un goût différent, le sel de nicotine par rapport à la nicotine normale que je vois qu'il y a des fabricants qui la font, donc on n'est pas les seuls. Mais qu'est-ce qu'on a fait de bien, c'est le bouchon. Le bouchon, c'est top. Effectivement, très belle innovation. Et donc je vois que vous avez quelques liquides avec vous, c'est des nouveautés. Ah ouais, ça, je trouve que c'est une très grande nouveauté dans le marché. On a fait un goût kaki fruit, que je pense que c'est le premier qu'on trouve dans le marché de la vape. Et juste maintenant, on a eu de bons retours pour tous les gens qu'on a eu hier. Quand même, il y avait beaucoup de gens et ce matin aussi. Et donc on est très content parce qu'on a deux grandes nouveautés. On est très content que les gens il reçoit ça, il voit ça, qu'on cherche toujours de faire mieux, quoi. Effectivement, très original, on en voit très très peu. Et bien, merci à vous et puis on se retrouve pour une prochaine interview.